il fallait aller un petit peu au-delà de ces trois principes. Et il nous a par exemple paru intéressant de nous attarder sur l'idée et le principe d'autonomie. Comment est-ce que localement on peut reprendre de la maîtrise, de la compétence sur ce dont on dépend et sur les systèmes qu'on utilise au quotidien. Pour illustrer ce principe d'autonomie, on peut par exemple s'intéresser à celui de l'artisanat solaire qu'on a nous découvert sous la forme d'un boulanger et torréfacteur solaire. Concrètement, ça veut dire qu'il utilise un four à concentration solaire, un panneau de miroir qui concentre les rayons du soleil dans son four ou dans son outil de torréfaction. Et en fait, on s'est rendu compte que ce modèle d'artisanat-là, qu'on pouvait qualifier de low-tech dans une certaine mesure, eh bien en fait, favorisait une bien plus grande autonomie de l'artisan. Il est capable de choisir ses dépendances, c'est une autre façon de définir l'autonomie. Il est certes dépendant de la météo, mais c'est à peu près tout. Et puis, évidemment, quand il n'y a pas de soleil, eh bien, il va utiliser une énergie en complément, par exemple du bois. Mais au-delà de ça, c'est un outil de travail qui demande beaucoup moins d'investissement pour se lancer. Donc, assez rapidement, il va être autonome financièrement aussi. Et du coup, ça, c'est aussi intéressant de voir que bah, pour un boulanger, il ne se lève pas à 4h du mat pour préparer son pain. Il s'est réapproprié son temps dans sa semaine. Et la dernière dimension intéressante aussi de cette activité, en tout cas ce qui nous a paru intéressante, en ayant enlevé un peu tous ses soucis, entre guillemets, et bien il a pu aussi faire le choix assez engagé de se fournir 100% localement en Normandie, d'être dans un rapport de proximité avec ses fournisseurs. Tout ça, in fine, à l'échelle de son activité, mais aussi presque du territoire, lui assure une plus grande autonomie. Un autre critère important et qui qualifie bien la philosophie qu'on met derrière cette démarche low-tech, c'est le fait de diffuser librement des solutions techniques, souvent sous licence open source, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. On s'est retrouvé à se poser la question, comment est-ce que ce principe se traduit à l'échelle économique, à l'échelle d'une entreprise? Dans l'imaginaire collectif, on imagine plutôt qu'elle va justement être rentable parce qu'elle a breveté une solution, parce qu'elle a... elle s'est assurée d'être la seule capable de développer sur un marché donné une solution technique. Eh bien, il se trouve qu'à ce sujet, il y a un exemple assez emblématique, c'est la communauté de plus en plus grandissante, Precious Plastic, qui depuis une dizaine d'années, en fait, développe des machines de recyclage du plastique open source et qui permettent non seulement leur fabrication par des industriels, des artisans partout dans le monde, puisqu'elles sont libres de droit, mais aussi qui favorisent l'installation de plein d'artisans partout, à petite échelle, qui sont capables de monter une activité économique viable sur l'usage de telle ou telle machine. Ce qu'on a constaté, c'est que le fait que ces solutions soient en open source, en fait, ça en fait une sorte de bouillon d'innovation technique, sociale, économique même, qui finalement paraît être beaucoup plus efficace, presque, pour adresser un problème aussi massif que celui du recyclage des déchets plastiques, que l'idée de breveter et finalement d'enfermer dans un seul rayon d'action, dans un seul giro économique ou juridique, le développement de solutions utiles pour la société de demain, quoi. Enfin, dans un domaine ô combien essentiel qu'est celui de l'alimentation et de l'agriculture, on a eu l'occasion de rencontrer la coopérative L'Atelier Paysan, qui accompagne depuis une dizaine d'années les paysans, les agriculteurs, dans leur montée en autonomie sur leurs outils agricoles, sur leurs machines, sur leur travail en fait, non seulement en documentant et diffusant des solutions plus appropriées de façon libre et open source, mais aussi en formant. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est une organisation qui en est à se poser des questions à d'autres échelles, plus politiques, plus macroéconomiques. Comment est-ce que cette alternative pertinente à l'échelle locale, à l'échelle professionnelle, elle devient une réalité plus systémique pour tout le monde? Et en ça, ils défendent par exemple l'éducation de toute la population aux enjeux de l'alimentation, l'installation d'un million de paysans dans les années à venir, ou encore un projet comme la sécurité sociale de l'alimentation. Incarner cette démarche low-tech peut aussi se projeter à une échelle de société et d'organisation collective, politique, sociale, qui rend ces autres façons de faire, de fonctionner, de consommer, de produire, simplement possibles pour le plus grand nombre.